Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'Avent spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique, pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite place à la démo et aux explications. Allez, on se retrouve pour la démo de cette technique, ou plutôt ce color change qui est plutôt sympa et plutôt facile à réaliser, je vous montre. Imaginons que je veuille changer le set de cœur, je mets juste l'éventail devant comme ça, et regardez bien, on fait 1, 2, 3, à vue, ça se transforme en roi de pique et pourtant très visuellement et très flash. On se retrouve pour l'explication de ce color change que je trouve plutôt sympa, assez simple à réaliser en fait, hein, car on part tout simplement d'un petit éventail. On montre clairement la carte et en fait on va additionner une carte inférieure et en remontant elle va venir pour faire le change. Pour ce faire c'est très simple, on part en position de beadle, tout simplement comme ceci, et on va faire comme si on allait faire un mélange américain. On effeuille, on part comme un mélange américain, on bascule, donc on a les deux paquets symétriques. Là on va faire un éventail, donc on tient comme ceci à une main, voilà. Et du coup, avec les doigts de la main droite, vous allez pouvoir faire bouger celle-ci. La dernière, vous allez pouvoir avoir accès et la dégager en fait de l'éventail. Vous présentez au spectateur cette carte-ci, le roi de cœur. Et quand vous dégagez celle-ci, vous la placez immédiatement devant, là, comme ceci, juste devant la carte, sur les doigts, et toujours en la maintenant, hein, bien entendu, comme ceci. Mais vous avez votre éventail qui camoufle ce petit détail. Donc là, vous pouvez prendre votre temps où vous placez. Et du coup, avec l'éventail, montrez que vous allez tout simplement faire une petite passe magique comme ceci. Et là, vous vous calez. Et dès que vous êtes prêt, en fait, c'est les doigts, regardez bien, qui vont monter, qui vont faire ceci. Bien entendu, le tout est camouflé avec l'éventail. Et d'un coup, on fait 1, 2, 3, hop, on monte, ça change. Hop, vous revenez. Et la carte a changé. On revoit ça, hein, on part comme ceci, on fait le petit éventail, on se positionne, tac, on place la carte, on prend notre temps, hein, on place la carte. 1, 2, 3, hop, la carte change, à vue, hop, on referme l'ensemble. Et ça a changé, bien entendu, après, libre à vous d'incruster cette technique dans une routine de cartes. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite, sans aucune inscription. Tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur internet dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en cartes ou en pièces pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.